Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui nous sommes de retour en police nationale. Donc rien n'a changé par rapport à hier, je suis toujours autant malade, voire même un petit peu plus, enfin bon c'est pas très important. Du coup il y a de fortes chances que ma voix parte un petit peu en couille à certains moments dans la vidéo. Et aussi, désolé, mais comme je vous l'ai annoncé hier, mon PC est en panne, du coup j'ai dû reprendre l'ancien. Ce qui fait que forcément les paramètres graphiques ne sont pas forcément optimales et qu'il y a de fortes chutes de FPS. En plus, aujourd'hui on est à Los Santos en police nationale, du coup il se peut qu'il y ait des grosses chutes de FPS. Donc là j'ai déjà accepté une intervention, hop là, ok les gyros sont même pas réglés, deux tons réglés, tout ça. Et du coup là je suis à 40 fps donc il y a de fortes chances qu'il y ait quelques petits bugs, quelques petits crashs durant la vidéo. Je m'en excuse d'avance mais bon le PC est retourné chez Top Achat là où je l'avais acheté pour se faire réparer. Et j'espère que très rapidement il sera de retour ici pour qu'on puisse reprendre les bonnes vidéos avec le bon travail. Donc là je suis actuellement à 30 fps pour tourner cette vidéo. Donc je m'en excuse, c'est très médiocre comme qualité mais bon je fais avec. Hop, voilà, ça commence. Ça commence le carnage, ça commence. Donc 600 mètres. Je vais essayer d'y aller assez rapidement. Oh là, c'est pas possible. J'ai un petit peu perdu niveau conduite. Hein. Donc là, je vais me permettre de réparer le véhicule quand même. Parce que c'est pas possible de travailler dans de telles conditions. Là, je vous l'avais dit hier, les gars. En fait, ce qui s'est passé pour mon PC, c'est que tout simplement, il ne démarrait plus. Du coup j'ai contacté Top Achat, ils ont été super cool le service après-vente. Ils m'ont demandé de leur envoyer, comme ça ils pouvaient faire jeter un petit coup d'œil. Puis c'est ce qui a été fait et normalement il reviendra d'ici quelques semaines. Du coup on est en train d'arriver sur la zone d'intervention. D'accord, donc on en intervient pour un bateau. Seulement j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je dois aller sur un bateau? Est-ce que je vais faire une intervention qui va... Où je dois reprendre le bateau? Bah je pense. D'accord, donc là je monte tout simplement sur le bateau qu'on m'indique. D'accord, donc je comprends pas trop en fait c'est quoi cette intervention. Je vais faire un petit contrôle du bateau. Ah, je vais être tout trempé dans ma tenue. En plus j'ai mon arme va s'enrayer après. Je vais faire un contrôle du bateau. Hop, un petit plate check. Est-ce que je peux avoir des informations Non, je n'ai pas d'autres infos. Ok, Felipe Villa. En fait, j'ai pas vu ce que c'était le message qui me disait en bas. Donc, je pourrais pas forcément... Ah, d'accord, je pense qu'il faut que je prenne le bateau et que j'aille au niveau du point vert. Car il y a un point vert sur la map qui est en mer. Et du coup on va aller voir ça, bah, on sera sûrement sur une vidéo en bateau. Du coup c'est parti, on y va rapidement. Donc j'ai mon véhicule qui va rester garé là avec les gyros, hein. c'est pas un problème. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau du point vert. Oula, attention une petite vague. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Et comme vous pouvez l'entendre, après avoir toussé, ma voix a une légère tendance à partir en n'importe quoi. Et du coup voilà. C'est comme dans la vidéo d'hier, j'étais vraiment encombré hier au moment où je faisais la vidéo. J'arrêtais pas de tousser, ce qui a fait que j'ai dû faire 1 million d'ellipses. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu les gars, hier c'était en vidéo gendarmerie nationale, grosse fusillade avec des collègues qui ont été blessés, les sapeurs-pompiers à foison. Mais bon, on a réussi à gérer. Du coup, donc je suis un petit peu malade, hein, ça fait quasiment 2 semaines que j'ai ça. Ça part pas, j'ai un petit traitement à faire, hein, vous inquiétez pas, j'ai négocié ça avec mon médecin. Donc ça me laisse un peu de temps pour faire les vidéos. Malgré que le PC soit en panne. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne pouvais pas en faire. Parce qu'en fait je pourrais plus en faire déjà malgré ma voix. Enfin là ça va mieux. Mais le PC voulait pas fonctionner. J'ai vu avec Top Achat. Et du coup voilà. Donc d'ici quelques semaines tout sera revenu à la normale. Je serai plus malade. Et le PC sera revenu. Et du coup on pourra réellement reprendre à fond les vidéos. Avec du bon matos. Est-ce qu'il avance le point? Non, il avance pas. Mais bon, ça, je sais pas quand est-ce que ça va se passer. Venez sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat pour avoir des news. Car je vais essayer de vous mettre quelques petits messages à droite à gauche pour vous dire, vous tenir au courant.
Ok, donc là-bas, je vois un bateau déjà. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. Ok, donc on arrive sur la zone d'intervention. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On va éviter de percuter le bateau de monsieur. Bon, c'est trop tard. Hein. Manifestement, on a déjà percuté. On va faire un plate check. Ok. Est-ce que je peux faire un contrôle? Je vais essayer de faire un contrôle. Ou alors il est peut-être en panne. Je vais voir ce que j'ai comme option dans la radio. Ok, donc j'ai pas d'autres infos. Il faudrait que j'essaye de me mettre juste à côté. Ok, donc manifestement, mon bonhomme, il a rien compris. Donc je vais monter sur le bateau. Hep, hep, hep. On bouge plus, monsieur. Mettez-vous au sol, mettez-vous au sol. Couchez-vous. Mettez-vous au sol tout de suite, monsieur. Ne faites aucun geste brusque. Il a tenté de m'agresser puis de prendre la fuite, hein, quand même. Ok. Faut que j'essaye de l'interpeller. Ok, parfait. Ok, j'ai interpellé monsieur sur un bateau. Donc c'est la première fois que je fais ça, les gars, d'interpeller quelqu'un sur un bateau. Oh là, attention. Ok, bon. Il est passé où, mon mec? Il est où, le gars que j'ai interpellé? Il a quand même pas coulé. Non, mais toi, va pas trop profond. Il est où, l'interpellé, là, les gars? J'arrive pas à le retrouver. Non, mais c'est une blague. J'ai perdu un homme... un suspect dans la mer. Ok, bon. Il va falloir que je le retrouve quand même. Ce serait très 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 préoccupant pour moi de perdre un suspect. Bah je vais demander tout de suite un hélicoptère. Hop. Air ambulance pour essayer de le récupérer. Ok, j'ai un hélicoptère des secours qui va arriver. Attendez, là-bas j'ai un point vert. Ok, donc on recherche un homme à la mer là. Hop là, là-bas j'ai le point vert. Est-ce que ce serait pas lui? Je suis sur le point vert. Il est où? Il est où? Il est où? Donc là on a les collègues qui devraient arriver. Ok, du coup, je regarde autour de moi, je vois rien du tout. Là, c'est beaucoup trop profond pour que je puisse m'aventurer et essayer de le rechercher. On va attendre que l'hélicoptère se présente. Ah bah, l'hélicoptère est en train d'arriver. Je l'entends. Moi, faut que j'arrive à regagner mon bateau là avant qu'il se barre. Ok, l'hélicoptère est là, la sécurité civile vient de se présenter. Ok, nickel. Donc là il y a le point vert. Est-ce qu'ils vont réussir à me le localiser? Ok, donc là c'est Dragon 77 tout simplement sur la zone. On va se mettre en dessous. Excusez-moi encore. Ok, je vais me mettre en dessous pour éviter qu'il largue un collègue dans l'eau. Salut. Ok, d'accord, donc ça n'a pas du tout marché ma technique de le récupérer. Il est où le pompier là? Oh les gars, c'est catastrophique. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Ok, le collègue sapeur-pompier est ici. Est-ce qu'il a la main sur l'individu? Je ne sais pas du tout. C'est la première fois que je fais une intervention comme ça, où j'ai besoin d'un hélicoptère de la sécurité civile pour retrouver quelqu'un. Oh là, attention le collègue. Ok, bon. Je pense que ce serait une bonne chose de mettre fin à cette intervention, les gars, car là commence vraiment à y avoir beaucoup trop de dommages. Du coup, on va retourner au niveau du port pour regagner mon véhicule et puis continuer cette patrouille en terrestre. Pour l'instant, je suis pas encore policier
sur les eaux internationales et même sur les aires maritimes françaises. Du coup, on va arrêter le massacre ici. Et puis voilà. Allez, du coup, on retourne tranquillement au véhicule pour reprendre la patrouille. Il y a un petit peu de mer quand même. Oula, oula, attention, on va faire attention. On va faire attention, on va rester vigilant quand même. Hop là. Ah, quoi qu'une petite patrouille en bateau, ce serait bien. Mais par contre, si je pouvais avoir un bateau des forces de l'ordre, ce serait encore mieux. Ce serait même beaucoup mieux. Car là, on dirait un vieux bateau de tourisme qu'on a perquisitionné au port pour faire notre intervention. Et c'est pas forcément très professionnel. Ok, on va rouler ici. Enfin, rouler, on va naviguer ici. Attention, le jet ski, c'est sûr, on va se le tamponner. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, attention, petit jet ski. Hop là, je vais faire une vidéo brigade fluviale, pardon, en police nationale, mais avec un vrai bateau police. Faut juste que j'en trouve un et que je le texture. Attention. Voilà, j'ai failli manger le pylône, le petit phare. Est-ce que mon véhicule sera encore présent ici? Je ne sais pas, je l'espère. Ou même une vidéo SNSM, Société Nationale de Sauveteurs en Mer, car ces derniers temps, très récemment, il y a eu une tragédie avec eux, et ce serait bien de les mettre en avant pour rendre un hommage aux sauveteurs qui ont perdu la vie durant un sauvetage, et ce serait vraiment très honorable de le faire. C'est déjà une bonne question. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez que je le fasse, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, et je ferai une vidéo en honneur pour la SNSM, car c'est un très beau métier qu'on ne prend pas forcément au sérieux, qu'on ne valorise pas forcément assez, car c'est comme les associations de protection civile. C'est pas... Enfin, ce sont des volontaires, les hommes. Ce ne sont pas des professionnels. Et c'est vrai que c'est comme les pompiers volontaires, on entend beaucoup parler, alors que la SNSM, c'est souvent mis de côté. Bon, je dis pas qu'on n'en parle pas, mais bon. Ok, je vais faire un petit end call-out. Et on va se remettre dispo secteur pour reprendre une autre inter. Attention, ok, nickel. On va, du coup, les gars, on va attendre une nouvelle intervention, puis on va la prendre tout simplement. Donc là, retour à Los Santos, retour avec très peu de FPS, et ça reste quand même très dérangeant. On va aller au niveau de l'aéroport, c'est par là-bas. Puis si jamais on a un véhicule à contrôler, on contrôlera. Par contre, comment je fais pour end mon call-out? Parce que j'ai fait un end call, mais sauf que ça... Ouais, ça n'a pas marché. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même demander un call-out sur la police radio. Attention, unit 1, Lincoln, Petrol 18, left. Citizens report at 484 and Little Soul. Ok, eh bien, on part sur un vol de pétrole à 1 km, donc station-service. Hein, ça m'étonne pas, une personne qui a pris... Oh, donc c'est une blague ou... Est-ce qu'il y a réellement mon bateau jaune qui est sur l'autoroute en train d'avancer? Sûrement un collègue qui est parti le récupérer avec une remorque pour pas laisser traîner le bateau. Ouais, il est plus dans les eaux, du coup il est sûrement reparti avec avec les collègues. Bon allez, nous on va sur notre intervention d'un vol de pétrole. Ok, parfait. Attention. Oh là, le massacre, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je me suis trompé, j'ai misclick malheureusement, j'ai misclick sur la mauvaise touche. Allez, vite, 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 je récupère mon véhicule. Et puis on va continuer cette intervention car il y a un requérant qui nous attend. Oh là là, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, j'ai réinstallé GTA 5, sauf que j'ai pas mes touches ELS. Du coup, mon deux tons n'est pas au bon endroit. Normalement, il est sur ma souris, sauf que là, il est sur le clavier et c'est assez dérangeant. Ok, monsieur, bonjour. Police nationale, vous nous avez appelé pour un vol de pétrole. Bienvenue dans ma station service. Eh bien, bienvenue. Merci, monsieur. Par contre, il y a quelqu'un qui est venu et qui est reparti sans payer, d'accord. Je l'ai pris sur mes caméras de vidéosurveillance CCTV. Alors, montrez-moi ça. Ok, d'accord. Donc, c'est un véhicule immatriculé 23PSV706. D'accord. C'est lui, ce bâtard. Ok, bon, monsieur, pas besoin de l'insulter. On va l'interpeller de toute manière. Ok, graphite color sultan, 23PSV706. Quelle direction? Ok, très bien, monsieur. On va faire tout notre possible pour essayer de retrouver cet individu. Allez, c'est parti.
Hop là, donc il est pas très loin. Où est-ce qu'on va aller chercher? Parce que la zone est quand même très très grande. Donc on va aller là-bas, par là-bas, en face. On va pas mettre de gyro pour faire style qu'on est sur une patrouille normale. C'est pas lui là? 700... Non, c'est pas lui. Tiens, à gauche, là-bas, là. Ok, très bien, il a été localisé. Ok, on va essayer d'y aller là-bas. Donc c'est bon, j'ai vu où est-ce qu'il était localisé. Attention, il remontait l'avenue sur la gauche, là. Il était là, sur cette avenue-là, il remontait ici. C'était pas lui. C'était lui, je pense. C'était lui. 706, ok, c'est lui. Je procède à un contrôle pour le mettre sur le bas-côté. Ok, refus d'obtempérer, ça m'aurait étonné, hein. Du coup, je demande tout de suite une patrouille de renfort en poursuite. Et je vais pas en demander plus parce que ce serait trop en demander au jeu. J'ai pas envie de faire crash pour une poursuite. Surtout que là, pour le moment, je trouve qu'en termes de bugs, bon, il y a très très peu de FPS. La qualité n'est pas ouf, mais bon, il y a pire. Ok, donc il aime bien les parkings souterrains apparemment. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc il roule quand même. Ça m'a l'air d'être un bon vivant qui sait conduire, hein. Manifestement, il est pas à son coup d'essai. Attention, il va, je suis sûr, il va cartonner, c'était sûr. Ok, il continue, il continue. Les gens, ils vont appeler les secours si jamais il y a eu des blessés. Moi, je ne veux surtout pas le perdre. Ok, j'ai vu qu'il allait aller tout droit. Hop. Hop là. Du coup, j'ai les collègues qui viennent de se greffer à moi juste derrière. Là, je conduis super bien. Au début, c'était un petit peu catastrophique. Mais là, je trouve que la conduite, ça va, y a pire. Hop là. Faut qu'on essaye de le toper quelque part. Faudrait qu'il se bloque à un endroit et puis que je puisse le bloquer. Comme ça, on va procéder à l'interpellation lambda. Je pourrais demander des hers, mais j'ai peur que ça fasse crash. Quoi, vous savez quoi, les gars, on va quand même demander des hers. Au pire, si ça crash, j'ai juste à redémarrer le jeu, puis à recommencer la vidéo. Attention. Il a mis les hers. Ok, c'est passé dans les hers. Nickel, ça a marché. Le véhicule est à l'arrêt. Ok. Descendez du véhicule, les mains en évidence. Police nationale. Mettez-vous au sol immédiatement. Couchez-vous au sol tout de suite. Ok, les gars, les collègues, ils viennent de nous rejoindre. Regardez, les gyros commencent à remplir avec le flou d'arrière-plan. Hop, on interpelle monsieur. Et puis parfait, les gars. Une course-poursuite qui finit bien. Hop là. Je vais juste faire un petit slowdown traffic dans la zone. Histoire de procéder à la palpation de monsieur sans problème. Moi, je vais procéder au contrôle du véhicule. Hop là. Ainsi qu'à la fouille. Ok, un sac de shroom. Ok, très bien. 2, 3, Paul, Sam, Victor, 7, 0, 6, a traffic violation. Ok, très bien, monsieur, expiré de registration. Ok, d'accord, bon. Ce que l'on va faire là, c'est que. Ok, bon, monsieur, je vais le mettre dans mon véhicule. Hop là. Je vais faire un petit grave pad. Ok. À l'arrière. Allez, monsieur, installez-vous. Ah oui, les portes ne s'ouvrent pas. You may close the door or leave it open. Bon, je vais demander un police transport parce qu'il y a un petit bug, c'est que les portes ne s'ouvrent pas. Du coup, le collègue là-bas, il va pas repartir bredouille. Il va devoir emmener mon petit suspect. Hop, request of service, large flatbed. Ok, nickel. Du coup, pour nous, ça va être bon, les gars, ça va être une fin d'intervention. Attention. Hop, je vais faire un clear control traffic. Et du... Attention, madame. Et du coup, pour nous, c'est good. C'est gully good. On est de nouveau dispo. Le véhicule, il est un petit peu endommagé. On va passer au commissariat de secteur pour
pour faire une petite réparation express. Ok, parfait, on se tape le petit feu vert. Allez, on va faire un petit tour au commissariat qui est juste là. Quoique, ouais, allez, c'est parti, on va le faire. Et puis, ça va être tout good. Oula, petit contrôle de gendarmerie apparemment. Hop là, on fait une petite réparation. Fix and clean véhicule. Comme ça, c'est tout bon. On fait un petit... Eh ben, pas besoin de faire de end call. Et puis, on est de nouveau dispo. On va attendre une petite intervention. On va passer devant les urgences pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Et puis, ce sera tout bon pour nous. On aura fait deux belles interventions. Un sauvetage en mer qui, malheureusement, j'ai bien l'impression qu'il n'aurait pas été très concluant. Car en plus d'avoir perdu un suspect menotté dans la mer, j'ai bien l'impression qu'il y a un pompier qui était un petit peu en difficulté. Mais bon, après, si jamais il était pas son... Si c'était pas son jour, c'était pas son jour. Il n'était pas très en forme, puis même je sais pas si on l'aurait retrouvé. Je sais pas comment ça se fait qu'il ait coulé le suspect quand je lui ai mis les menottes, mais bon. Après, j'aurais dû m'en douter que ça allait forcément finir en catastrophe, une intervention comme ça. Donc là, j'ai fait un hôpital. Là-bas, il y a un second hôpital. On va aller faire un petit tour aussi, hein. On fait la tournée des hôpitaux. Et il roule très lentement, lui. Il me paraît un petit peu suspect, même. On va procéder au contrôle. On va lui demander de s'arrêter sur le bas-côté. Est-ce qu'il va nous faire un refus d'obtempérer? Je ne sais pas. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Sur le bas-côté, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Attention. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ok, donc je vais prendre mes précautions. Je vais recommencer le traffic stop. Il est bizarre lui quand même. Ok, je lui ai dit de s'arrêter, je lui ai refait, j'ai recommencé le traffic stop. Par contre, il faudrait qu'il s'arrête là. Ok, c'est bon. Hop, je vais faire un petit plated check. Ok, oula, attention, qu'est-ce qu'il nous fait? D'accord, j'ai l'impression qu'il nous fait un petit refus d'obtempérer. On va essayer de l'interpeller. On va essayer de le toper là. Ok. Eh hey, madame, bonjour. Descendez du véhicule. Oh punaise, elle est en train de se barrer. Ok, bon, je vais essayer de l'interpeller. C'est super bizarre son comportement. Allez, remonte dans le véhicule là. Punaise, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon, allez. Elle est partie par là-bas. Allez, 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 allez. Elle est là-bas. Descendez du véhicule tout de suite. Mettez-vous au sol, les mains en évidence, couchez-vous. Couchez-vous au sol tout de suite. Allongez-vous les mains en évidence toujours, ne faites aucun geste brusque. Ok, parfait. Ok, c'est bon. On va faire une petite palpation. Oula. Non, 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 non. D'ailleurs, tu vas fouiller le véhicule dans la foulée rapidement là. Histoire que ce soit fait. Ok, rien d'important. Request au service, large flatbed. Meilleur, moi je veux pas qu'elle reparte. Ok. Non, 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 non. T'énerve pas. Je vais la prendre. On va se mettre sur le bas côté avec elle. Parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Un petit pas de underpad. Ok. Ok, son véhicule vient de se faire emporter. Moi, mon véhicule gêne légèrement beaucoup la circulation. Ok, donc on va faire un petit test d'alcoolémie. Savoir si madame a consommé quoi que ce soit. On dirait un truc de Ventoline. Ok, rien du tout. En termes de stupéfiants, qu'est-ce qu'on a? Thanks.
Rien du tout, et bien pourquoi elle a fait ça? Bon allez, je vais appeler un véhicule de collègues, ils vont la transporter, et pour nous ça va être tout bon. Et du coup pour nous ça va être la fin de cette vidéo les amis, de cette intervention, de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Drixis, j'espère que celle-ci vous aura plu, malgré le fait que je sois un petit peu malade et que le PC soit pas le bon. Et du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et ciao, bye bye.